Et bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve pour de nouveau du Frostpunk. Ça faisait longtemps et c'est vrai que ce jeu m'avait quand même vachement plu. Malheureusement, il n'y avait que 3 scénarios et ils viennent juste d'en sortir un nouveau, la chute de Nid d'Hiver, qui va du coup nous permettre de reprendre un petit peu notre histoire. Donc ça se passe juste après normalement, enfin juste après en tout cas, après les réfugiés où justement on devait établir Nid d'Hiver, qu'on avait plutôt bien réussi. Je vous mettrai, si vous ne les avez pas vus, les liens vers les playlists dans la description. Et on va donc attaquer ce nouveau scénario. Alors j'ai juste regardé les trailers, je sais pas exactement ce qui s'y passe à part que visiblement c'est la merde. Donc ça dit quoi? Nous avons construit une grande ville pour survivre au long hiver et nous devons maintenant affronter le temps pour la sauver, mais surtout sauver nos vies d'une fin certaine. Très très bien. Est-ce qu'on se le tente en difficile? Allez, on va se le tenter en difficile. On va pas se mettre en survivant, parce qu'avec les crashs que j'ai eu au final, ça paraît une idée de merde. Et on est parti! On va donc voir un peu ce que ça vaut. Donc théoriquement, il y a des nouvelles mécaniques de jeu et tout qui viennent avec. C'est un DLC gratuit, si vous avez Frostpunk, vous pouvez en profiter dès aujourd'hui, quand je fais le tournage, mais dès mercredi dernier réellement. Par rapport à quand sortira cette vidéo, vu le planning. Le petit trailer était assez, assez tentant, assez intéressant, bien que court. Mais c'est assez habituel, hein, leur trailer, ils te donnent super envie de démarrer le jeu et en général t'es pas déçu après. Donc les petits textes qu'on a en bas sont les mêmes que ceux qu'on a eu jusqu'ici, a priori. Alors, je les reconnais en tout cas. Alors, petit temps de chargement. Alors normalement ils ont optimisé pas mal de trucs, donc j'espère que j'aurai plus de crash. Parce que j'avais quand même quelques crashs un peu gênants lors des premières parties. Alors, c'est parti. To whoever is out there, if anyone, know that we were here. We did our best. We, the survivors, doomed by our own mistakes. Aware of the risks and the price to pay. We took our last chance. And we failed. Ok, donc bah c'était la petite cinématique du trailer, donc qui nous apprend que bah ça pue, mais on sait pas exactement ce qui s'est passé. Alors, notre générateur ne fonctionne pas correctement. Notre capitaine a ignoré le problème des semaines durant. Ah le con. Le froid et les répressions brutales nous ont poussé à nous révolter contre lui, la moitié de la ville a brûlé pendant les combats. Le générateur a été rafistolé, votre première tâche en tant que nouveau dirigeant sera de restaurer Nid d'Hiver et de convaincre ses habitants qu'un futur est possible. Vous pourrez ensuite chercher les causes du dysfonctionnement du générateur. Eh bah, c'est pas nous qui avions laissé faire ça. Je tiens à le dire. Ah putain. Ah bah il doit faire chaud au moins. Ok. Rétablissez la ville, nos gens souffrent grandement dans cette ville en ruine, le manque d'organisation dans la conception de la ville n'est dans rien et nos gens meurent de faim. Vous devez leur redonner espoir et calmer leur mécontentement. Pour commencer, il faut retirer les débris pour montrer que la ville va mieux. Nos ingénieurs examineront le générateur une fois que la crise du moment sera gérée. Ok, donc pause instantanée. ça pue du cul. Ok, donc il y a des bâtiments ici vides, il y a des trucs qui sont pas actifs parce que le générateur doit être activé, le mécontentement c'est la fête. L'espoir, 8 fois un enfant est mort, 75 fois un adulte est mort, 83 décès. Putain. Alors, j'ai pas l'impression, enfin, je reconnais même pas vraiment Nid d'Hiver en fait. Si, si, il y avait là, il y avait une mine de charbon ici. Par contre, là, il y avait des trucs de bois qu'on avait exploité et qui du coup n'existent peut-être plus dans celui-là. On récupère pas la ville telle qu'on l'avait à la fin. J'ai pas l'impression. Ça c'est quoi ça?
Un terminal, ok. Ici on a un peu de bois. Ouais non, on récupère pas la ville. Alors je sais pas si en refaisant le scénario d'avant et en le terminant, on récupérerait la ville en l'état dont on était avant, je pense pas. Je pense que l'idée est vraiment de repartir bien dans la mouise pour relancer le jeu. Alors du coup, on a des ruines en bois un peu partout. On a des dortoirs quand même qui sont pas tant dans le mal que ça. Donc le générateur est éteint. On peut l'allumer, d'accord. Donc il marche pas très bien mais visiblement on peut quand même l'allumer. On va passer un petit peu de temps à faire un point de la situation. Hein. Ici on a un pub, ici on a une aciérie, un extracteur hydraulique, un poste de collecte, donc on a des petits trucs un peu partout. On a une quantité de charbon raisonnable, le bois et l'acier ça va, on a de la bouffe pour un moment. Ouais, enfin quoique, on a quand même 535 habitants, 12 enfants, 35 mecs qui sont gravement blessés. C'est un peu le drame. On a des gens qui reviennent avec du charbon, donc visiblement on a un terminal qui est fonctionnel, et ça c'est cool. On va pouvoir se passer de charbon 2 secondes. On a une station météo, une falaise enneigée, un dreadnought. Donc pour l'instant on n'a pas de... On n'a pas d'éclaireur, il nous faudrait 42 bois pour en avoir. Les petits tutos, on les connaît, c'est bon. En tout cas, les trucs de base. Qu'est-ce qu'il y a? Température, ruine, amputée. Alors, ruines. Les ruines sont ce qu'il reste des bâtiments qui ont été détruits par les flammes. Elles ne peuvent être démantelées, bloquent l'espace pour nouvelles constructions. Les retirer est un processus relativement long, mais procure de l'acier et du bois. Pour retirer les ruines, vous devez affecter des personnes directement sur les usines ou dans les postes de collecte proches. Ok, donc l'idéal va être, j'imagine, de commencer par ça. On a donc 40 malades, 11 gravement. Au niveau des lois, on a des trucs de prix. Donc les enfants ont le droit de travailler pour faire n'importe quoi. Donc ça c'est la fête. On a des arènes de combat et des pubs. On a des fosses glaciales pour les cadavres. Très bien. Est-ce qu'on a construit le bâtiment? Faudra regarder. Ici, on n'a rien commencé dans le chemin des buts. Au niveau des techs, on a la puissance du générateur 2, la portée du générateur 2, on a des radiateurs de base, des foyers de vapeur de base. On a un terminal. On a du charbonnage pour transformer du bois en... C'est ça, hein, ça transforme du bois en... Ah non, ça extrait du charbon, pardon. C'est pas le four à charbon. Et on a le four à charbon de bois aussi. Ok, c'est un peu le même l'été que c'est de la merde. On a la station de forage, on a la scierie, on a la scierie de base. On a un équipement de chasse, ça c'est pas mal. On a des serres chauffées, on a des maisons, ça c'est cool. Ok, bah ça va être compliqué. J'ai l'impression qu'également il va falloir que je baisse un peu mes graphismes parce que avec toutes ces particules il en chie un peu. On va peut-être passer genre en moyenne. Ah merde, faut relancer le jeu. Bon bah tant pis. On va faire avec pour l'instant. Je pense pas que ça se voit trop à l'écran, hein, que ça lag. Alors, la priorité, ça va être de rallumer ça. Au moins au niveau 2. Il fait combien? Moins 40, putain. La température, c'est comme ça. Des radiateurs un peu partout, ok, très bien. Donc, il faudra au moins qu'on monte au niveau 3, je pense. Au niveau 2, pardon. Si on pouvait déjà éliminer le logement froid, ça aiderait. Ensuite, il va falloir assigner des gens. Alors déjà, on va se lancer sur les techs. Il nous faut 5 ingé pour les techs. Qu'est-ce qu'il nous faut comme tech? Avant de lancer dans les techs, on va regarder qu'est-ce qu'on a. Donc on a plein de ruines. On va essayer de mettre des postes de collecte autour pour aider. Donc on va commencer immédiatement par un petit poste de collecte dans le coin. C'est cool, ça met en vert les trucs qu'il peut ramasser. Donc il faudrait qu'il soit ici pour pouvoir ramasser toutes les ruines. Si je le mets ici, il peut pas ramasser celle qui est trop loin. Donc on va le poser là. Et on va faire une rue
ici, quitte à les détruire après, hein, l'idée ça va être de nettoyer les ruines assez rapidement. Au niveau des bâtiments, ici on a un poste de collecte qui ramasse pas grand chose, donc on va le laisser couper. Un extracteur hydraulique qui est capable de nous donner du charbon. Une cantine. On va poser quelques ouvriers, une cantine c'est bien. C'est quoi le truc à 0 sur 5 là? C'est derrière. Un poste médical. Ouais, alors il nous faut, il va clairement nous falloir du médecin. Alors les trucs de température, on va attendre que ça, que les machins redémarrent pour voir un peu ce que ça donne. Cabane de chasseur, on y va, il nous faut de la bouffe. Ça c'est quoi? Une cantine, une autre cantine, ça me va. Cabane de chasseur, putain j'avoue, elle fait n'importe comment cette ville. C'est ouf. Un pub, un pub, on va dire que ça va aider un peu quand même. Hein. Cette cantine elle sert à rien. Ouais, dégagez-moi cette cantine. Dégagez-moi ce poste de chasseur aussi. On va commencer par ça. Une scierie. Donc pour l'instant on va se nourrir des ruines. Donc on va laisser tomber la scierie. Ça c'est quoi ça? Poste médical. Ouais allez, allons-y. Pour l'instant, visiblement, on n'a pas mieux. Donc on va partir là-dessus. Est-ce que je peux prendre? Voilà. Ça c'est des maisons ou des dortoirs? Putain, c'est des tentes, vous êtes sérieux? Oh la vache. Des tentes aussi loin, il n'y a même pas un foyer de vapeur, ça va être le drame. Ici ça a cramé complètement. Ici on a un poste de collecte qui pourrait ramasser des ruines. On va y assigner des gens. On va essayer de ne pas utiliser les enfants pour l'instant. Une aciérie on va prendre par contre. Un extracteur hydraulique. Niveau charbon devrait être pas mal je pense. Ça c'est un poste de collecte qui ramasse que du charbon. Est-ce qu'on a quoi construire un deuxième poste de collecte? Non. Hein. Faut 15 bois et 4 d'acier, nous manque un de bois, donc on devrait pouvoir faire le taf assez vite. Tiens, j'ai oublié ce truc là. Cabane de chasseur, on va envoyer des gens, putain c'est n'importe comment, c'est n'importe quoi cette ville. Effectivement, quand il disait que c'était le drame, c'était le drame. Hein. Bon alors du coup, au niveau des techs. Les serres chauffées pour l'instant c'est pas trop le thème, on en a pas. Peut-être que porter des foyers va être une priorité je pense. Ah, mais il nous faut du bois, on va même pas pouvoir lancer de tech. Ouais, on va pas pouvoir lancer de tech tant qu'on n'aura pas de bois, donc pour l'instant on va se mettre en vitesse de jeu classique le temps que ça calcule un petit peu les températures éventuelles et qu'on voit que c'est toujours la merde ici. Donc on va activer les radiateurs dans ces trucs là. Ça c'était quoi déjà? Une scierie. Ouais bah il nous faut du bois et on a énormément de personnes. Donc on va se lancer. Là on va récupérer du bois. On va essayer de s'en servir pour lancer une tech dès qu'on sera à 30. Histoire que nos quelques ingés qui travaillent ne fassent pas pour rien. Je sais pas exactement quelle est la barre ici. Alors c'est bon, on a suffisamment. Donc on va prendre une recherche et on va prendre la portée des foyers. C'est parti. 4 heures ça dure, putain ça va être tendu. Hein. Et ils arrivent dans 3 heures, ils ramènent 800 de charbon, on en avait 500 et ça nous dure environ 5 heures, c'est pas assez. Donc on va devoir relancer les trucs hydrauliques. Pas le choix. Il y avait une autre ici. C'est parti les gars. Fermé à 7 heures de la journée. Il est quelle heure? Ah il est 6 heures du matin. Ok, on commence au début de la journée. La température va monter bientôt. Avec le truc allumé, on est comment? Alors, on est que ça va mais c'est pas ouf. Hein. Dans les logements ça va être le drame. Qu'est-ce que ça coûte? C'est où déjà? Technologie. Un foyer de vapeur ça coûte que 20 d'acier. On va en faire un immédiatement dans le coin. Parce que de toute façon on va pas détruire tout ça. Hein. Elles sont mal placées par rapport au générateur, mais elles sont quand même bien placées d'un point de vue. Comment? D'un point de vue rangement quoi, elles occupent bien l'espace, donc on les améliorera en autre chose dès qu'on aura ce qu'il faut. Mais pour l'instant on va partir là-dessus.
On a plein d'amputés, on a 20 mecs sous traitement, il nous manque plein de 30 médicales, on est comment au niveau de la santé? On a que le poste médical de base, très très bien. Donc c'est des vivres crus qu'on a. Hein. Ouais la vache, lui il va s'écrouler comme une merde ce truc. Visiblement il consomme beaucoup trop, hein. J'avais pas souvenir que ça consommait autant, ça doit être ça le fameux dysfonctionnement là. On va le mettre au niveau 1, tant pis. Ça devrait permettre au moins à eux de se ramener et puis aux extracteurs hydrauliques de commencer à faire un peu le taf. Ici il faut que vous me construisiez ça en speed par contre. Ah on peut rechercher des gens maintenant. Parfait. J'ai l'impression qu'on n'a pas de fosse glaciale par contre. Je sais pas où est-ce que ça se construit. Fosse glaciale. Ouais, de la poêle, c'est hors des foyers de chaleur pour éviter la décomposition des cadavres. Parfait. On va poser ça genre proche de notre terminal. Par ici par exemple. Ça c'est quoi? Ça c'est des ruines ça. On va la mettre là. Est-ce qu'on a... ça bloquera des sources de ressources, merde. Ah oui non, c'est parce que ça va détruire quelques beaux morceaux de bois, c'est pas grave. On va la faire, ça augmentera un petit peu l'espace parce qu'on aura tenu une promesse qu'on n'avait pas fait. Donc le charbon, on en consomme 1200 par jour actuellement et eux nous en rappellent que 800, donc clairement c'est pas assez. Donc il va falloir qu'on fasse quelque chose pour ça. Il va falloir qu'on prenne des lois aussi. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Transplantation d'organes. Après introduction de cette loi, les malades se rétablissent plus vite. Ok, pourquoi pas. Alors le travail des enfants, bah voilà, hein, c'est signé donc on peut pas faire grand chose. Alcool artisanal, loi sur les duels. La soupe pourrait être utile. Le problème c'est qu'ils vont ils vont être vraiment dans le mal. Alors on a maintenir en vie ou traitement radical. Ça augmente le mécontentement mais ça augmente l'espoir aussi, ce qui est quand même plutôt bien. Après la transplantation d'organes pourrait nous permettre de gérer avec juste nos petits postes médicaux pourris là. Ça pourrait être pas mal. Sinon on a ouais, je pense que la nourriture, il va nous falloir de la soupe. Ça va augmenter le mécontentement, on peut pas se permettre de faire ça. Fâchier. Allez, on va prendre ça. Voilà, ça permettra de sauver un peu ce qui peut être sauvé. Donc ici ça va être bientôt terminé, dès que j'aurai enlevé la pause, on va pouvoir y foutre immédiatement des gens. C'est pas du tout ça, c'est ça. Allez, au taf les gars. Je refuse de me faire découper, ouais bah écoutez, hein, va falloir faire avec. Et puis c'est tout. Alors visiblement on n'a pas de gens qui dorment dehors, ça c'est déjà plutôt pas mal. C'est un bon point. Moi je trouve. Ouais, ça c'est. Ça brûle pas ça. Non, c'est juste de la tente. Putain, des tentes quoi. Le mec il a recherché des maisons mais il a construit des tentes quoi. Tu m'étonnes que c'est le drame. Donc ici on va ramasser ces ruines dès que possible. Nos mecs sont sous traitement. Ça coûte combien les postes médicaux? Regardez vite fait. 25 de bois, ouais. Alors la priorité, ça va être de faire... ici il y a encore des ruines, donc ce serait un poste de collecte dans le coin qui serait cool. Comment on tournait les bâtiments déjà? C'était pas X, non? C'était pas N? Attends, je sais plus. La molette, ouais c'est la molette. Il faudrait qu'on ramasse tout ça, mais on peut même pas construire de poste de collecte assez proche quoi. C'est absolument le drame. On pourrait en construire un là. Il ramasserait que ça, ça sert à que dalle. Faudrait que j'en construise un ici et un là, quoi, limite en fait. Ça me fait chier de construire ça tout près du coin. Qu'est-ce qu'il y a comme bâtiment à virer? C'est des dortoirs, donc c'est un peu chiant.
Ah, il me tente là, mais est-ce que si je te pose là, ça serait assez proche? Non, il sera même pas assez proche pour ramasser ça, donc j'ai pas le choix, je dois le poser là, c'est hors de question que je détruise des dortoirs. On peut pas se permettre, mais on a beaucoup de gens qui ne foutent rien, donc on va faire en sorte de les faire bosser. Ça serait bien également de construire quelques trucs de recherche pour occuper nos ingénieurs. Okay, donc on a 15 heures restantes de charbon. Ah ouais, en plus on en perd en fait, on peut même pas en stocker assez. Oh là là, c'est la teuf. Ok, c'est pas cool. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi ça? Stockage presque plein. Ah, parce qu'il ramasse du charbon. Ah ouais, il ramasse du charbon. Bah écoutez, vous ramasserez pas de charbon tant qu'il n'y aura pas de charbon, c'est tout. Faites pas chier. Ici, en avant. Voilà, on commence à ramasser plein de bois. Il nous faut d'urgence un dépôt de ressources, c'est la priorité du coup. Il nous faut 20 d'acier et on se fera un dépôt de ressources du côté de la fosse là. Fosse glaciale. Ça, c'est ruine métallique, c'est complètement le drame quoi. Il y a des fouets de chaleur, hein, cela dit, je pourrais presque envoyer des gens directement ici. La température est pas si dramatique. Ça permettrait d'optimiser peut-être un peu. Ici par contre, il n'y a pas de fouets de chaleur. Ça, c'est pas des ruines. Hein. Moué. Allez, ici, on va envoyer des gens. Tant que c'est dans la portée du fouet de chaleur. C'est bon à prendre. Ça c'est des ruines ça aussi, ouais. Ah, ici ils ont trop froid. Donc non. Ici ils ont trop froid également. Ici il fera trop froid. Ici ça va, ok. Ici est-ce que je peux me permettre peut-être de couper ça? Oui. On avait un autre, il est où? Il est derrière. Voilà. Ça c'est pas si mal. Ici je peux peut-être me permettre aussi de le couper du coup. Dans la cantine également, le fouet de chaleur fait le taf. Ça devrait nous permettre d'économiser un petit peu de charbon. Alors on a largement assez pour construire un dépôt de ressources. On va donc le faire à l'arrière là, bien planqué. Hop, il nous faudra également beaucoup plus de nourriture. Alors les serres chauffées, c'est pas trop le thème pour l'instant. Pourquoi je peux pas le construire? Ah, parce qu'il y a ce foutu bâtiment qui est là. Là, il n'y a pas la place. Il n'y a absolument pas la place. C'est quoi? C'est des ruines, ça? Ouais, c'est des ruines, fait chier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt faire un poste de collecte à la place. Non, j'ai cliqué sur ressources, ce jeu. Merci. Voilà, on va faire un poste de collecte dans le coin. Tout ça, c'est à ramasser. Sérieux, tout ça, c'est des ruines, ça? Oh la vache! Ah ouais, ça, c'est vraiment la ville. Elle a flambé, mais... littéralement, quoi. On va le foutre là pour couvrir le plus possible. Et ici, ils ont froid, donc on va se détendre. Il nous faut une rue, voilà, en speed. Donc ici, on va essayer de dégager de la place, là. Et en attendant... on va faire un autre poste de collecte ici. Donc là il faut qu'on ramasse tout ce qui est là. Ouais bah ça fera le taf hein. Hop là, au moins ils seront au chaud. Donc ces postes de collecte là vont être placés un peu n'importe comment, c'est pas grave, c'est le... enfin je vais pas dire que c'est le but mais c'est ce qu'on... enfin l'idée est de vider le plus vite possible les ruines pour pouvoir ensuite survivre. On va foutre des cabanes de chasseurs dans les trous. On a 280 mecs qui se touchent donc il va falloir qu'on les emploie. Combien ça coûte des trucs de technologie là? 15 de bois et 5 d'acier, ce serait bien de pouvoir en faire 2 si on peut. Ah, il faut absolument qu'on fasse ça aussi, j'ai oublié. Bah non, dès qu'on a 40 de bois, on fait ça. Ça, il le faut. Il y a une ruine métallique, il y en a partout quoi.
Est-ce qu'il y en a qui sont dans des zones un peu chaudes? On va faire un petit tour. Genre ça, non, je vois pas de foyer de chaleur autour, donc à mon avis c'est mort. Ici on est déjà en train de s'occuper. Un décès, ah merde. Il y a encore des gens qui meurent. Décès par manque de soins. Ah bah ouais, bon. Vous êtes gentil, mais voilà quoi. Ah, donc là on n'est pas dans un scénario où on fera 0 mort, hein, très très clairement. La population est désespérée. Vous avez 2 jours pour augmenter l'espoir. Ah ok, en fait c'est... D'accord, ouais, ok, c'est jauge en fait, c'est ce qu'il faut qu'on fasse pour... Très très bien. Sinon on va se faire, on va perdre. Parfait. Ouais. Donc là, il va falloir prendre des décisions un peu plus brutales. Contrôle la caméra. Ouais, ok, on s'en fout. Ok, donc il va falloir qu'on prenne vraiment des lois pour faire gérer l'espoir. Ici, il y a un fouet de chaleur. C'est parti. On enlève des trucs. Ça c'est trop loin, ça par contre, non c'est trop loin aussi, dommage. Ici c'est parti, ça c'est un extracteur hydraulique, ici. Pourquoi je peux pas faire 2 personnes? Ah j'ai plus d'ouvriers disponibles, ah c'est des enfants maintenant qui restent, les 178 là. Ah ouais, donc non, on va essayer d'éviter de faire bosser les enfants si on peut, c'est pas la peine qu'ils décèdent... qu'ils décèdent pour rien. Qu'est-ce qui se passe? Maison froide. Le mécontentement augmentera légèrement. 19 maisons froides puis les garder chauffées pendant 2 jours. Ouais, c'est jouable si on arrive à gérer notre approvisionnement en charbon. Qu'est-ce qui se passe ici? Merde, j'ai pas fait de route. Sérieux? Ah non, la rue est en construction. Il est où mon poste là? Il est pas construit encore. Il y a un 0 sur 15 ici. Ah, c'est que le poste de collecte est prêt. Ouais, il y a des gens qui décèdent, hein, mais bah, malheureusement, pour l'instant, on peut pas faire grand chose. Puis j'ai l'impression que c'est les enfants qui bossent dessus en fait. Du coup, ça va moins vite. Ah, ici, il nous faut des ouvriers. Merde. On va devoir en enlever des endroits où ils étaient en train de nettoyer. Alors, c'était où? C'était par là. Hop, on va en prendre 15 ici. Et on va en foutre 15 à aller chasser. Parce que on en a besoin. Allez, ils décèdent tous, c'est con. Ils décèdent tous. Ah, ici on a. Bordel. On a une tente médicale, on va pouvoir prendre quelques blessés. Bah j'aurais préféré que vous preniez les blessés. Ah mais on peut pas soigner les blessés graves peut-être. Ah oui, c'est peut-être ça le souci en fait. C'est vrai que dans les tentes médicales on peut pas soigner les blessés graves. C'est un peu la tristesse. Bah ils vont mourir, hein. Qu'est-ce que je vous dis, hein. Un moment... Il y a un moment, voilà quoi. On va être obligé de faire des sacrifices. C'est bien triste mais c'est la vie. Et j'ai l'impression qu'on va être bien obligé de se servir de nos enfants à un moment. Même si c'est un peu moche. On va passer en vitesse 2 parce que cette heure-ci se passe plus grand chose. Voilà, tous ceux qui étaient gravement malades sont morts. Comme ça on n'est plus emmerdé. Ici on va stocker du charbon. 6 heures restantes, ça va être très très tendax. On va regarder un peu, genre si je fais ça. Ouais. Si je fais ça, bah c'est pas ouf, mais ça fait le taf. Par contre, il y a des gens directs qui tombent malades. Ouais, ils ont beaucoup trop froid. Ils ont beaucoup trop froid, on peut pas se permettre. 42 mecs malades, putain. Vache quoi. Mais arrêtez les gens, qu'est-ce qui se passe?
Oh là là. C'est le drame. Faut transplanter des organes et me les soigner plus vite que ça là. Une heure restante. T'es sérieux? Une heure restante. Ouais bah non, non, bah non, je suis désolé, mais il va falloir arrêter là. Ça va être... ça va être chaud hein. Eux ils arrivent dans 4 heures avec un peu de charbon, mais on voit qu'on n'est pas capable de tenir la journée pour l'instant. Enfin cette fois on devrait pas perdre nos ressources, donc ça devrait aider un peu. Ici bon, on va envoyer les enfants ramasser les ressources, hein. C'est un peu la tristesse, mais... on n'a pas trop le choix. Logement froid, manque de soins, bah ouais, tu m'étonnes quoi. Aller ramasser des ressources et puis et puis arrêter de faire chier. J'ai envie de dire. Ah, ils y vont violents hein, sur le scénario là, même en difficile. Ils ont tout bouffé les rations. Donc il va nous falloir absolument la soupe si on veut que ça tienne. Mais à mon avis, on va être très très vite en déj de nourriture. Parce qu'on n'a pas du tout assez de chasseurs. Et en fait, on n'a pas tant de gens qui bossent que ça, avec en plus tous les malades. C'est assez dramatique. Il va falloir qu'on envoie les enfants ramasser les trucs. Il ne reste plus rien. Il ne reste plus de charbon. Ramassez du charbon, les gars. Oh là là, c'est tellement tendu. Ça s'est tellement pas passé loin. Nous n'avons plus de charbon, mais si, il nous reste du charbon. Il nous reste du charbon, je vous dis. On a des générateurs hydrauliques qui ramassent là. Il y a des énormes tas de charbon là, faut juste que les gens taffent. C'est tout. Ah non, il n'arrive pas à tenir le générateur. Hein. Il est même carrément éteint. À court, ruine métallique, parfait, on récupère des gens. Il faut qu'on construise. Une mine de charbon, est-ce qu'on a moyen de construire ça? Mais le problème c'est que, bah non du coup. Enfin si, on pourrait en construire une là. Mais nos générateurs hydrauliques font le taf, il nous faudrait juste des postes de collecte peut-être. Ouais. Il n'y a pas vraiment la place, c'est quoi ce bâtiment là? C'est un poste... Non, ça c'est des... Ah ça c'est des ruines, ok très bien. Ouais, envoyer les enfants pour que ça aille plus vite. Dans une heure ça sera terminé, on pourra reposer un poste de collecte un peu au chaud. Ramasser un peu plus de charbon. Voilà, on est bien niveau charbon, ça c'est cool. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu un message. Ah c'est là. Alors, une voix sous les décombres. Des gens ont entendu la voix d'un enfant en provenance des ruines. Il semblerait qu'un enfant a survécu à cette terrible ligne de destruction lorsque la moitié de l'univers a brûlé. Tant de vies ont été perdues par les flammes, nous ne pouvons pas laisser mourir cet enfant. Mais oui, on va aller l'aider. Of course, on va envoyer des enfants taffer. Go. Ici, il fait trop froid. On va le mettre en heure de travail, histoire d'économiser un peu, parce qu'il n'y a pas vraiment de maison ici. Là, c'est pareil, ça sert peut-être pas que tu tournes 24 heures. Ah merde, ici il fait trop froid. Ah oui, mais il est toujours éteint ce con. Chauffe. Ici c'est quoi? Ici il y a une cantine, des tentes. Ouais, donc non, faut que lui tente tout le temps. Il y en avait un autre par là, je crois. Non, c'est celui que j'ai déjà géré peut-être. Ouais, c'est celui-là. Très très bien. C'est parti les gars. Non mais dégagez. Il y a un poste de collecte qui est à court de ressources. Toi, t'es à court de ressources déjà. Bah, parfait, démantelez-moi ça. Donc, tant qu'on n'a pas de gens qui dorment dehors, on va pas s'amuser à reconstruire des trucs inutiles. A la place, il nous faudrait des choses utiles, genre un poste médical près du. Tout près là, ce serait cool. Avec tout ce qu'on a. On va essayer de rentrer. Mais même l'atelier il est mal construit quoi.
va faire un deuxième atelier, histoire d'améliorer notre tech. Il faut qu'on aille beaucoup plus vite sur notre tech. Il nous faudrait aussi de quoi manger en masse. Voilà, on va faire un petit poste comme ça. Est-ce qu'on pourrait pas faire une serre chauffée? Est-ce qu'on a la place? Ouais, go. C'est trop loin, mais quand on aura terminé la tech, ça devrait être mieux. Ici, on a dit qu'il y avait des tentes. Hein. Petit conseil, on a utilisé un noyau de vapeur, mais on en a besoin. Ok, les foyers vont augmenter, ce qui est cool. Et il nous faut du coup une nouvelle recherche. Alors, ce qu'il nous faudrait, c'est des trucs médicaux mieux. 10% plus rapide pour les malades, ouais, il nous faut complètement ça. Alors ici on a réussi à enlever deux ruines sur 30. On doit augmenter l'espoir jusqu'à 15%, c'est pas encore tout de suite. Hein. Alors ici on va enlever des enfants et on va mettre quelques ouvriers pour avoir plus d'efficacité. Ici on va poser des ingénieurs dès que ce sera fait. Hop, c'est parti les gars, au taf. Ici, on avait peut-être terminé de détruire ce truc là. Pas encore. Merde. C'est bien dommage. C'est bien dommage parce qu'on va devoir mettre des enfants à bosser dessus pour les envoyer chasser eux. Alors on va mettre des enfants, hein, ils peuvent bosser dans la serre les enfants je pense, c'est pas trop gênant. Il nous reste plus d'ingé, il nous reste plus d'ouvriers, il nous reste plus que des enfants. Alors ici on a terminé des ruines métalliques, parfait. Est-ce qu'on pourrait pas faire un petit poste de collecte? Alors déjà, ce qu'il faut qu'on fasse c'est un poste médical ici. Ensuite, il faut qu'on fasse un poste de collecte là. Après ça, donc au niveau du charbon on est bien, au niveau de la bouffe c'est toujours le drame, mais ça devrait doucement s'améliorer. Au niveau des techs, on peut pas faire mieux. Au niveau des gens, il nous faut complètement des éclaireurs. On va les envoyer là. Je les avais déjà oubliés. Hop, voilà. Donc on a envoyé 5 mecs. Tout à fait, ici. On va compléter les ouvriers parce qu'il nous faut clairement de la bouffe. Ici, bah on nettoie. On nettoie ce qu'on peut. On est au niveau 1 de poste de chaleur, c'est pas ouf. Et les maisons supportables, il en faut au moins 19, ça va être chaud hein, parce que ces trucs là. Alors on peut peut-être déjà descendre, voilà. Faut qu'on laisse, sinon ça va pas, ils vont pas avoir chaud à l'autre bout du monde là. Quoique, on peut peut-être se permettre d'en garder un seul. Ouais, le plus simple sera peut-être d'upgrader en fait les maisons pour avoir ce truc là. Moi ça coûte une maison 35 bois, 25 d'acier, oui. Ah, rien que ça quoi. Rien que ça, rien que ça. Et au niveau de température on est comment? Ouais, les seuls trucs chauds c'est les maisons forcément. Enfin les dortoirs. Donc il faudrait qu'on utilise... je pense qu'on va utiliser tout ce qu'on va ramasser cet après-midi pour améliorer les maisons comme on peut. Ah, j'ai entendu... un message, c'est où? C'est là. Enfant blessé. Oui, on va donner un jour de repos. Hein. Qu'est-ce que je vous dise? On va pas non plus commencer à fouetter les enfants parce qu'ils bossent pas assez, ça va bien. C'est déjà suffisamment la merde. Alors, on peut faire des dortoirs, c'est parti. Faire un premier dortoir ici. Ouais, niveau santé. Ah mais il y a une fosse glaciale ici, mais virez-moi ça. C'est en plein dans les trucs de chaleur, ça va pas du tout.
Si ça se construit, on va pouvoir envoyer des gens bosser. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il n'y a pas assez de... Bah là, on va enlever quelques personnes, tant qu'à faire. Puis on va mettre des enfants à bosser. Je pense qu'ils peuvent bosser à la cantine sans trop de risques. Alors ici, il nous faut des ingénieurs, et on n'en a pas. Où est-ce qu'on a des ingénieurs qui bossent? Ici, il y en a qui bossent. Oui, c'est absolument pas optimal ça. Alors, on va plutôt mettre quelques enfants, hein. Les ingénieurs, ils vont aller s'occuper de soigner les gens, par exemple. Je sais, c'est complètement horriblement pragmatique, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelques ruines ont été dégagées, c'est une bonne nouvelle. Parfait, alors ici, bah, on a que des ingés, donc pour le coup on va envoyer des ingés. On enverra des enfants s'il faut. Ici ça donne quoi là? Ça se nettoie doucement. À court, ruine en bois, parfait. Alors la bouffe, c'est pas ouf. La prochaine loi qu'on prend va devoir travailler sur le mécontentement et l'espoir, très très clairement. Parce que sinon ça va être le drame. Il nous reste plus qu'un jour, alors on va augmenter en masse des dortoirs. Ah, il y a des gens qui ont faim. Il y a des gens qui dorment dehors, mais c'est parce qu'on améliore leur maison, donc ils vont pas faire chier. Ici, du coup, on va prélever quelques personnes. Puisque le truc de stockage est beaucoup trop plein. Hop, voilà. Bon, du coup ça libère des gens normalement là, il y a moyen que les améliorations avancent bien. Logement froid, manque de soins, bah je sais. Ici, oui, ici il leur faut de la nourriture, il nous faudrait encore des cabanes de chasseurs, beaucoup plus. On peut pas en faire une autre là vite fait. Ah non, ça coûte 20 bois, mais putain, mais comment c'est placé quoi, ça n'a aucun sens. On peut faire une loi. Alors, lieu de prière. On va construire deux lieux de prière. Ou alors, mise de quartier. Tour de garde augmente l'espoir. On va partir, je pense, là-dessus. Ordre. Oh, putain, j'ai du mal, hein. Tour de garde, 15 bois, 5 acier, ça devrait le faire. Alors les gens ont faim alors qu'il y a des rations, il n'y a peut-être pas assez de cantine, mais j'en ai détruit une, mais c'est pas très grave, hein. Il n'y a pas besoin qu'elle soit construite là de toute façon. Au niveau charbon, on n'est pas si mal. Ça c'est la bonne nouvelle. Par contre, faut que vous me fermiez ces maisons, les gens. Ouais, et puis il faut surtout que je termine l'épisode parce qu'il est beaucoup trop long. On se laisse assez vite prendre à ce jeu, mine de rien. Bah du coup, on a survécu au premier épisode, c'est déjà pas mal. C'est quand même pas facile, je pense qu'on va pas mal galérer. Mais on va s'en tirer, hein. Enfin, on va essayer de s'en tirer. Il nous reste 20 heures pour nous en tirer de toute façon. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous voulez en voir plus. Et eh bien, on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.